tous. Ce cours ne peut pas débuter sans quelques propos liminaires. D'abord, le plus classique d'entre eux, à savoir que ce que je viens de qualifier de cours n'est pas un cours, mais une discussion qui se veut interactif et que vous ne devez en aucun cas hésiter à m'interrompre, ne serait-ce que pour une question de traduction et à plus forte raison pour une question de sens. Je veux dire un deuxième propos plus personnel, d'abord pour ceux d'entre vous qui ont déjà pu assister à certains de mes cours, notamment à celui sur l'hystérie, ou à le regarder sur Internet. Le début du cours de ce soir va être exactement le même. Et donc ceux qui ont envie peuvent directement passer, ce soir non, mais à la fin de la première heure, à mon avis. Mais il me semblait indispensable d'étayer à nouveau avec vous ce soir la nécessité d'une sexuation du monde, qui est le sujet de ce soir. Et enfin, je veux dire que ce cours forme un diptyque indissociable du cours où certains d'entre vous étaient là en février dernier, qui portait donc sur la relation à l'autre, mais à Dieu en l'occurrence. Et j'insiste sur le fait que l'intitulé du cours de ce soir est la relation à l'autre, le conjoint, et non pas du tout le couple. Pour synthétiser en une phrase le cours d'il y a 4 mois, pour ceux qui n'étaient pas là, la relation, c'est la distance. Quelle est la définition d'une relation? C'est la plus grande distance sans rompre. Ceci étant posé, mais c'était le sujet du cours d'il y a 4 mois, qui est, j'imagine, en ligne, nous pouvons commencer le sujet de ce soir. Je vous laisse distribuer les copies. C'est un cours sur texte, comme nous savons faire à la Yeshiva. Et ne vous inquiétez pas, je vais strictement tout traduire. Bien, voilà le pitch. Abraham et Sarah, comme vous le savez, n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et Sarah a donc suggéré à son époux de prendre une deuxième femme, Agar, sa servante, avec qui il a immédiatement eu un enfant, Ishmaël. Or, voilà ce que le texte dit, qu'il s'est produit après la naissance d'Ishmaël. Va tere Sarah et ben Agar à Mitzrit, asher yalda le Avraham metzar. Et Sarah a vu le fils d'Agar l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham, littéralement rire. Rashi explique que le terme metzachek
est liée aux trois fautes les plus graves que sont l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. Sarah a donc vu que le fils qu'Abraham a eu avec Agar se comportait mal. Et elle a donc demandé à Abraham la chose suivante. Va tomer les Abraham. Elle a dit à Abraham, Garesh a ama azot ve et bena. Répudie cette servante et son fils. Qui logirash ben ama azot imbeni imitra. Il y en a une quarantaine, donc ça. Répudie cette servante et son fils, car cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak, qu'elle avait entre-temps eu avec Abraham. Vayera adavar mehod be'ene Abraham al odot beno. Et la chose a fortement déplu aux yeux d'Abraham à propos de son fils. Ce que Sarah a demandé à son mari lui a fortement déplu. Il l'a mal pris. Va yomer Elohim el Abraham. Et là, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, Al yera be'enecha al anahar ve'al amatecha. Qu'il ne soit pas mauvais à tes yeux sur le jeune homme et sur ta servante. C'est-à-dire, ce que ta femme te demande à leur propos, ne le prends pas mal. Kol asher tomar elecha sara shema bekola. Tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix. Qui be Yitzhak yikare le chazara, car c'est par Yitzhak que ta descendance sera nommée, c'est-à-dire, en effet, Yitzhak est ton véritable héritier, et elle a raison de te demander de mettre Ishmaël de côté. C'est un passage extrêmement connu. Mais qu'on a moins l'habitude de voir de la façon dont je voudrais l'analyser avec vous ce soir. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte ? Il se passe un conflit de couple. Abraham veut quelque chose, Sarah veut autre chose. Ne sont pas d'accord. Ça s'appelle un conflit de couple. Or, ce conflit, ce désaccord marital est résolu d'une façon toute particulière. Dieu intervient et dit, c'est elle qui a raison. Alors, je ne sais pas vous,
Mais lorsque j'ai, moi, été confronté à des dissonances avec mon épouse, Dieu est très rarement intervenu. Et surtout, il dit quelque chose de très fort, il dit, pas seulement, c'est la raison, il dit, tout ce que dit Sarah... Tout. C'est dur. Ah, c'est ça passe pas, ça. En rêve de goût, là. En rêve de goût. Moi, je croyais que lorsqu'un couple était en désaccord, il fallait se parler. Moi, je veux ça, toi, tu veux ça. Chacun met son désir sur la table. Ça colle, tant mieux. Ça colle pas, on va discuter, puis on va faire des conciliations, puis on va s'arranger. Abraham, Sarah, quand même. Eh ben, c'est pas ce qui se passe. Et la question que je veux poser avec vous ce soir, la question de la première partie de ce cours, est pourquoi Abraham et Sarah ne se parlent-ils pas? Ils ne se parlent à ce point pas qu'il faut une intervention divine pour pouvoir résoudre leur conflit de couple. À votre bon cœur, pourquoi ils ne se parlent ? Ils n'ont pas eu le temps, hein ? Peut-être que Dieu... Dieu leur a pas laissé le temps. Oui. Très vite, elle lui a dit, il a été sous le choc de ce qu'elle lui a dit, et peut-être que Dieu a parlé très vite. Abraham, on n'a pas aucune précision sur le temps, en fait. Non. Mais en tout cas, sur la nécessité d'une intervention divine, oui. Est-ce qu'il se serait parlé si Dieu n'était pas intervenu si rapidement? Le fait qu'il n'ait pas eu d'enfant, peut-être. Ils en ont eu. Non, mais je veux dire, à part après, quand elle a été très jeune, avant, ils n'en avaient pas. À part quand ils ont eu Yitzhak. Et alors, quel est le lien avec le fait de se parler? Non, je ne sais pas, je cherche. Abraham, en tant que père, n'est pas capable de juger objectivement les méfaits de son fils. Et elle, en tant que mère, oui, c'est connu, les mères juives sont très objectives. Sarah parle à Abraham, il se parle, en tout cas une injonction déjà. C'est vrai, elle lui parle. Mais lui ne lui répond pas. Mais alors justement, je ne sais pas si c'est... Non, le verset le dit, lui ne le dit pas. Et il y a une indication, en tout cas, qui permet de prendre la mesure de l'étendue du désaccord. C'est qu'elle dit, je ne sais pas si ça apporte un élément à la réponse, mais elle dit répudie cette servante et son fils à elle. Ouais. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et on dit, et ça a déplu beaucoup à Abraham au sujet de son fils, à lui. Oui. Or, il y en a deux. Oui. On ne sait pas duquel il s'agit. C'est une discussion chez les commentateurs. Alors, a priori, ce serait Ishmael, mais à moins que... Pas forcément. Une discussion. Mais je sais pas si c'est une... Ça peut expliquer qu'ils n'arrivent pas à se parler. Qu'il y a une sorte de... En quoi? Elle lui donne un ordre. Soit dit en passant, c'est elle qui avait demandé à Abraham d'épouser Agar. Hein. Ouais. Mais elle a déjà viré une première fois. Souvent, femme varie, n'est-ce pas? Elle a déjà viré une première fois à l'époque avec Ishmaël. Ça s'est déjà produit. C'est la deuxième fois. Cette fois-ci, c'est la deuxième fois. Que Sarah varie?
Non, que ça arrivera à dire Agar et Ishmael. Ah. Ah bon? Non, ah, ça, oui. Ça c'est la première. Mais non, dans le dans Vayeler, t'as... Bien après, ça c'est la première. Mais non, dans l'Er Lecha, pardon, dans l'Er Lecha, c'est la deuxième, ça c'est la deuxième. Là, Yitzhak est grand, la première fois, c'est quand elle a eu Ishmael, et qu'elle s'est retrouvée dans le désert, etc., etc. C'est là, il y a une première fois où Agar a été viré, et on dit, Ish, c'est là où on parle de Ishmael comme un homme des bois, etc. Non, un onagre. Ouais, voilà. Donc c'est dans l'Er Lecha, et là c'est dans Vayera. Il y a eu des allers-retours. Est-ce que c'est pas aussi, peut-être parce que Abraham a cru jalouse Sarah, et c'est peut-être ce trait de jalousie qui lui a déplu aussi. Est-ce que parce qu'il l'a vu peut-être sous une forme de, finalement, de jalousie? Pourquoi dites-vous qu'il l'a cru jalouse? Elle était morte de jalousie. Voilà. Il était... Et alors, voilà. Ça vous empêche de parler à votre épouse quand elle est jalouse? Vous n'êtes plus dans les plaies depuis longtemps? Peut-être qu'il lui parlait plus depuis longtemps. Moi, j'irai plus loin, peut-être qu'ils ne se sont jamais parlé. Peut-être c'est la jalousie qui c'est n'a vrai. Pas admis. Peut-être Abraham n'a pas admis ce trait de jalousie venant de Sarah. C'est pas un trait honorable. Mais là, un trait de caractère, vous m'expliquez ce qui peut être à l'origine de ce conflit. La question que je pose, c'est pourquoi, pour le résoudre, ils ne se parlent pas. D'accord. Parce qu'elle lui a donné oui, mais c'est pas une raison. Bah, s'il parle plus, il va pas lui parler. Et parler, il faut entendre la même pièce. Il boude. Il se parler, il faut être dans la même pas parce qu'il pense qu'elle a raison et qu'il a pas. Non, ah oui, on dit pas qu'il refuse, hein. On dit pas qu'il refuse. On dit qu'il est pas content. Il est pas content, mais il a compris qu'elle avait raison. Non, mais je pense qu'ils se comprennent pas parce que je suis pas d'accord que souvent femme varie. C'est pas parce qu'elle lui a dit fais un enfant avec Agar et que maintenant elle lui dit, elle, le problème c'est que l'enfant a évolué d'une manière qui n'est pas forcément celle qui était souhaitable ou souhaitée. Donc, elle n'a pas varié, c'est-à-dire qu'elle était d'accord avec l'existence de l'enfant mais pas avec l'évolution. Ça je peux l'entendre, mais vous m'expliquez encore la cause de non, leur... Non, parce qu'ils ne se comprennent pas, c'est pas qu'ils ne se parlent pas, déjà ils ne s'entendent pas. Mais pour savoir qu'on ne s'entend pas, il faut se parler. Non, il a compris qu'elle avait raison. Pardon. Ils sont jamais ensemble dans le même endroit pour se parler. Il faut être dans le même endroit. Bah, elle lui donne un ordre. Elle lui parle. Elle parle, mais lui répond pas. Peut-être qu'Abraham a compris qu'elle avait raison dans ce. Pourquoi il est content alors? Donc il a entendu. Non, mais je veux bien qu'on cherche beaucoup de choses, mais le texte nous dit qu'il ne dit pas qu'il lui a pas répondu et qu'il ne se parlait pas. Vayera, ça peut être. Ça lui a déplu. Ça lui a paru mal, rat. Ça peut paraître mal dans la pensée, ça peut paraître mal dans la parole. Non, mais là, on dit qu'à ses yeux. À un moment, il a marqué qu'il n'a pas parlé. On dit bien à ses yeux. C'est pas. Je répète, Dieu est obligé d'intervenir pour acter une décision qu'il devrait normalement être capable de prendre seul. Un couple n'est pas d'accord, doit se parler ou s'envoyer un SMS si vous préférez pour résoudre le problème. Qu'est-ce que Dieu vient faire dans cette histoire? Qu'est-ce qui fait que ce couple est incapable d'une parole adressée à l'autre? Pour répondre à cette question. Nous allons évidemment poser une autre question. Et passer au texte suivant. C'est un texte du traité Bechorot. C'est peut-être aussi qu'elle lui a donné un ordre. Et que c'était, du coup, c'était pas un échange. Absolument.
Et donc la question est pourquoi cet échange est impossible. Oui. Bah, à partir du moment où elle se place uniquement sur. C'est pas qu'un ordre, c'est y a un aspect prophétique. Elle dit il n'héritera pas. Elle se prononce sur l'avenir. Et peut-être qu'il est, y a quelque chose qui lui déplaît. Et manifestement, Dieu intervient pour valider une prophétie. Les sages disent que Shema Bekola écoute sa voix est lié au fait qu'elle était prophétesse. Mmh. Oui. Mais les prophètes ont une vie de couple. Pardon. Très difficile que sa vie de couple, tel objet, justement, l'élément de leur prophétie. Oui. Juste une remarque. Dans le passage dans l'Ère Lecha dont je t'ai parlé, au moment où il prend Sarah lui donne sa servante, qui était venue en volontariat, hein, et au verset Vav, c'est écrit « Vayomer Avraham el Sarai », il a dit « Inne shifratra beyadecha » Assi, donc là, il parle à Sarah. C'est juste par rapport à ce que tu as dit. Oui. Donc là, il y a eu un échange. Parfois, ils se parlent, parfois non. On le voit notamment avec l'épisode en Égypte et l'épisode avec Avimelech ensuite, où une fois ils se parlent, une fois ils ne se parlent pas. C'est très ambigu. Mais il y a, si on regarde en effet, l'histoire d'Abraham et Sarah, une difficulté toute particulière à l'adresse d'une parole l'un à l'autre. Ça, c'est évident. Parfois, ils y arrivent, mais c'est quelque chose qui, pour eux, est particulièrement compliqué. Et je voudrais tenter de comprendre avec vous pourquoi. À l'aide de ce deuxième texte, dans un premier temps, qui dit la chose suivante. Donc ça commence à Akol, vous voyez, juste après le petit Zaïn. Akol meshamshin panim keneged oref. Tous, c'est-à-dire toutes les espèces, s'accouplent face contre nu, littéralement. Toutes les espèces animales s'accouplent ventre contre dos. Le Ben Ishraï, dans son commentaire, qui vivait à Bagdad, dit « Je suis sorti, j'ai vu les chameaux, c'est vrai. » Routz Mishlocha, sauf trois. Shemé Shamshin, Panim Keneged Panim. Qui s'accouplent face à face. Ve'eluen, et les voici. Dag, le poisson. Ve'adam, et l'homme. Ve'nachash, et le serpent. Alors, il ne s'agit évidemment pas d'établir une vérité biologique. Les poissons ne se sont jamais accouplés face à face, et les serpents non plus. Les hommes, oui. Ils peuvent aussi s'accoupler ventre contre dos, donc ce n'est pas exclusif ce que dit le Talmud, mais c'est comme s'il y avait chez ces trois espèces une capacité supplémentaire que n'ont pas les autres espèces de s'accoupler face à face. Il s'agit donc évidemment pas d'établir une vérité biologique, mais comme disait ma prof de mathématiques,
les mathématiques, c'est l'art de faire des calculs exacts avec des figures fausses. C'est pareil pour le Talmud. On s'en fiche si c'est vrai ou si c'est faux. L'important est de savoir ce que les sages veulent nous dire. En tout cas, pour l'homme, c'est vrai. L'homme a cette capacité de s'accoupler face à face. Et le Talmud demande Umaishana, l'abréviation là, c'est Umaishana Hane Tlata. Et ça change quoi, ces trois? Pourquoi ces trois espèces peuvent, si elles le veulent, s'accoupler face à face? Qu'est-ce qui leur octroie cette capacité? Qui atta Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu, vous comprenez pourquoi on emploie le verbe venir, puisqu'à l'époque, une partie des sages était à Jérusalem, une autre partie à Babylone, et des sages d'Israël faisaient régulièrement des allers-retours pour aller glaner des enseignements et en apporter. Et donc, lorsque Rav Dimi est venu, Rav Dimi habitant Jérusalem, c'est-à-dire lorsqu'il est venu à Babylone, eh bien, il leur a donné la réponse à cette question. Et il leur a dit, « Amre be ma'arava, ils disent à l'ouest, donc il est revenu de Babylone à Jérusalem, et il a dit à ses collègues de Jérusalem, voilà ce qu'ils disent. Non, c'est le contraire. Quand il était à Babylone, il dit, voilà ce qu'on dit à Jérusalem, peu importe. Voilà ce qu'on dit à l'ouest. Ohil vedibra imaem shrina. C'est parce que, on va le dire simplement, Dieu leur a parlé. Oui, à Yona. Il a parlé au poisson dans l'histoire de Jonas. Il a parlé au serpent au début de l'histoire de l'humanité dans le jardin d'Éden. Et il a parlé à l'homme à maintes reprises. La Gemara est donc en train de nous enseigner que cette capacité interrompons-nous à l'homme, hein, que l'homme a de s'accoupler face à face est lié au fait que Dieu s'adresse à lui. C'est quoi Dieu? Un professeur de Kama Sutra? Quel est le rapport entre le fait que Dieu s'adresse à l'humain et le fait que l'humain en question puisse s'accoupler face à face? Répondre à cette question par le biais du troisième texte que vous avez ici. Alors,
c'est pour le coup un texte un tout petit peu technique. Mais attachons-nous-y quelques minutes, car c'est toujours, talmudiquement parlant, dans les méandres de la technicité que se révèle le signifiant. En préambule, parce que là c'est un texte légal, il faut dire que la Torah, comme vous le savez, attache une importance toute particulière aux notions de pureté et d'impureté que nous avons d'ailleurs définies il y a 4 mois. Il y a 12 formes d'impureté dans la Torah. Une des conséquences parmi, ces 2 formes d'impureté se trouvent les 2 que nous allons évoquer maintenant, à savoir le fait de voir du sang pour une femme ou le fait d'avoir un écoulement de semences pour un homme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ça ne rend plus impur, en tout cas plus de la même manière, mais si on s'en tient à l'époque du Temple, ces 2 impuretés font partie des 12 impuretés de la Torah. Comme celle du Sheretz qu'on a évoqué il y a 4 mois, des rampants et d'autres. Le fait d'être impur a beaucoup de conséquences. Et il a notamment pour conséquence l'interdiction de rentrer dans l'enceinte du temple. Quelqu'un, homme ou femme d'impur, ne peut pas pénétrer dans l'enceinte du temple, c'est-à-dire ce qu'on appelle la hazara. Et enfin, celui qui le fait de façon involontaire doit apporter un korban khatat, un sacrifice expiatoire. Ça, c'est ce qu'il nous faut savoir pour pouvoir comprendre ce texte. Un homme qui a un écoulement de semences, qui est donc impur de ce fait, et qui rentre par mégarde dans l'enceinte du temple, doit apporter un corban, un sacrifice. Une femme qui a un écoulement de sang et qui entre par mégarde dans l'enceinte du temple doit apporter un sacrifice. La question que le Talmud va poser maintenant, c'est qu'en est-il d'un hermaphrodite ? Le Talmud qui peut poser des questions comme ça. Mmh. Et que le Talmud qui peut poser des questions comme ça. La question de l'hermaphrodite est une question qui parcourt le Talmud sur beaucoup de sujets. Hermaphrodite, que ce soit clair, c'est quelqu'un qui possède les organes génitaux masculins et féminins à la fois. Le sujet de l'hermaphrodisme est un sujet qui parcourt le Talmud sur bien des sujets, car le Talmud considère que c'est un statut légal particulier, qui est un statut de doute foncier quant à la nature sexuelle de cette personne. On ne sait pas déterminer si c'est un homme ou si c'est une femme, et ce doute, ce statut légal de doute va avoir des conséquences dans bien des domaines. Et ici, il va avoir une conséquence tout à fait inattendue.
je commence avec le dernier mot de la première. Amarav Nachman, Amarav. C'est un passage du traité Nida qui dit la chose suivante. Rav Nachman a dit au nom de Rav, deux points. Tum tum ve androgynos. Un tum tum et un androgynos, vous reconnaissez le grec androgyne, c'est la même chose, les deux sont des hermaphrodites, simplement le tum tum, la racine de tum tum s'est cachée à une membrane qui cache ses organes génitaux mâles et femelles, alors que l'androgyne, ils sont apparents. Mais c'est la même chose. Hein. Donc l'hermaphrodite, chez Raoult, qui ont vu, ou le tum tum ou le androgynos, qui ont vu l'oven au odem. Du blanc ou du rouge. Euphémisme pour dire du sperme ou du sang. Donc tu as un hermaphrodite qui a un écoulement de sang. Ou bien un hermaphrodite qui a un écoulement de sperme. En chayavin albiat migdash. Si ils entrent dans l'enceinte du temple en étant impurs et par mégarde, ils ne doivent pas apporter de sacrifice expiatoire. Ben oui. Si c'est du sang, c'est peut-être un homme. Un homme qui a un écoulement de sang, il n'est pas impur. Si c'est de la semence, c'est peut-être une femme. Une femme qui a un écoulement de semence, elle n'est pas impure. Dans le doute, et pour ne pas apporter un corban non nécessaire, ce que la Gemara appelle Nichnas Roulin Ba'azara, faire entrer des choses dans l'enceinte du temple qui ne sont pas nécessaires, qui est une faute gravissime. Pour éviter cela, eh bien, dans le doute, on n'apporte pas de corban. Et le Talmud continue, ça nous intéresse moins, mais tout de même. Ve en sor finaleem et atruma. Et on ne brûle pas à cause d'eux la dîme prélevé pour le Kohen. C'est-à-dire qu'une des autres conséquences du fait d'être impur est que s'il n'y a personne impure touche quelque chose de kadosh, comme la dîme, de la nourriture, alors on a l'obligation de brûler cette nourriture. Là, pour les mêmes raisons, puisque le doute prévaut, on ne doit pas non plus brûler la trouma que l'hermaphrodite aurait touché dans cette situation, où il aurait vu soit du rouge, soit du blanc. Pour info, ici, la loi est différente, on ne doit pas non plus la manger, mais il faut la laisser pourrir, pour des raisons annexes, mais je vous le dis. Maintenant, je vous pose une question. Cet hermaphrodite a eu en même temps un écoulement rouge et un écoulement blanc. Ça vous plaît le Talmud, hein ? C'est possible ? On s'en fout si c'est possible. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Attendez. Qu'est-ce que vous dites ? Et cet hermaphrodite qui a eu un écoulement blanc et un écoulement rouge, les deux cette fois, rentre dans le temple par mégarde. Il doit porter un corban obligatoire. Double corban. Non. Obligatoirement, mais un corban. Parce que t'as plus de doute. Il n'y a plus de doute. C'est d'accord. S'il y a un doute, mais il y en a un de ces deux qui est vrai. Mais il y a un doute sur si un homme est vrai. Mais sûr qu'un des deux. Oui, mais il n'y a pas de doute sur son impureté. Si c'est son côté homme, enfin si c'est un homme. Il est impur, si c'est une femme, elle est impure aussi. Il n'y a pas de doute quant à l'impureté.
La preuve, c'est que le Talmud va dire que si cette personne-là touche de la trouma, on la brûle. Ce qui veut bien dire que l'impureté ne fait aucun doute. Mais qu'est-ce qu'il en est du sacrifice expiatoire pour être entré dans le temple par mégarde? Évidemment, après ce tour de table, n'importe qui dit, il apporte un corban, puisque l'impureté ici ne fait plus doute. Eh bien, Rav nous enseigne l'inverse. Raou, ils ont vu donc ce tumtum ou cet androgynos. Loven vehodem ke'echad, du blanc et du rouge en même temps. Donc je répète, cette personne est indubitablement impure. En chayavin albiat mikdash. Si il entre dans l'enceinte du temple par mégarde, il ne doit pas apporter de corban. Aval sorfin alem et atrouma, mais si il touche de la dîme, alors là, on la brûle comme n'importe quelle personne impure qui toucherait cette trouma. C'est impossible, c'est une contradiction totale. Cette alara, et c'est la alara, est incompréhensible. Mais c'est une image, c'est pas un truc. C'est une alara. Vous voyez la petite lettre au-dessus de Raoul Oven. Ça renvoie à la halakha dans Maïmonide. C'est une halakha d'acteur, mais c'est une image. C'est pas, on ne parle pas d'un hermaphrodite doux. Vous plaisantez, ça, c'est très courant. Très courant. C'est très. Non, je veux dire, c'est pas un cas sur un milliard. C'est, ça existe. Oui, mais enfin. Non, mais ça existe vraiment. Mais vous confondez. De naissance, il y a des hermaphrodites. On naît avec une indétermination sexuelle. Oui, mais enfin, c'est une personne sur combien de milliers de milliards. Je ne connais pas les statistiques. Mais peu importe, ça existe, donc la question se pose. On n'est pas à la choule. Hein. Et en vérité, si vous voulez faire 2 minutes de biologie, nous possédons tous les 2 organes sexuels. Le clitoris, c'est un pénis atrophié, et les lèvres, ce sont des testicules. Simplement, au cours de la formation du fœtus, l'un, si tout se passe bien, se développe plus que l'autre. Mais on est tous hermaphrodites potentiellement. Simplement, chez nous, je crois, l'un s'est développé plus que l'autre. Maintenant, quand on est dans ce cas d'hermaphrodisme pur, dans ce statut légal hermaphrodite où les 2 organes se sont développés de la même façon, alors, cette loi est incompréhensible. Cette personne, puisqu'elle a vu à la fois du rouge et du blanc, est impure. Elle est impure. Donc, la preuve, encore une fois, c'est qu'on brûle la trouma comme n'importe quelle personne impure qui toucherait cette trouma. Mais, pour ce qui est de pénétrer dans l'enceinte du temple, dans le Bet Amikdash, c'est-à-dire là où la présence de Dieu est censée résider, l'hermaphrodisme fait que l'impureté n'a pas de conséquences. Et là, on a un enseignement d'une importance majeure.
Ça veut dire la suite d'hermaphrodite, je ne sais pas où ça veut dire. L'impureté de cet hermaphrodite a une conséquence légale quant à la trouma, mais elle n'a plus de conséquence dès lors qu'il s'agit d'être en relation avec Dieu. Dieu, comme nous l'avons longuement développé au mois de février, c'est l'autre paradigmique, l'autre avec un grand A. Le fait que cette personne est une identité sexuelle non définie en empêche toute relation au divin, parce que si la relation au divin était possible, alors l'impureté aurait une conséquence. C'est-à-dire que la relation au divin, donc la relation à l'autre, n'est possible que si l'identité sexuelle est affirmée. C'est ce qui est marqué ici. Dieu veut du sexe. Yes. Plus exactement, il veut des sexes. Et c'est cette identité sexuelle affirmée que n'a pas l'hermaphrodite qui permet une relation à l'autre, ici représentée par Dieu, et qui fait que donc cette relation a des conséquences qu'elle a prises, qu'elle existe. Mais puisque l'identité sexuelle de cette hermaphrodite n'est pas définie par essence, encore une fois, alors la relation ne peut pas exister d'une façon, en tout cas, pleine et entière. Excusez-moi. Oui. Juste une question. Dieu étant le créateur, pourquoi crée-t-il quelqu'un qui ne pourra pas avoir de relation avec lui ? Pour que nous puissions réfléchir ce soir à ce que c'est que le fait d'avoir une identité sexuelle affirmée. Et ça veut dire que... Mais je me moque pas de vous en disant ça. Non, non, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'on considère qu'un hermaphrodite, un tonton ou un androgynos, ne peut pas avoir de relation avec Dieu, donc il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Pas de toutes, c'est compliqué. Comme je le disais, c'est un sujet qui parcourt le Talmud, et qui va avoir des conséquences dans tous les domaines. Est-ce qu'il doit mettre les tefilines ? Etc, etc, etc. Mais en tout cas, là on parle de pénétrer dans l'enceinte du temple. C'est très précis. Tu vois bien que ça a des conséquences sur la trouma. Oui, c'est vrai. Par rapport à la trouma, oui. Mais c'est... par rapport à ce qui est entré en relation avec autrui, là, il y a une impossibilité. Une petite question. Oui. Là, tu interprètes en disant que parce qu'il peut entrer au temple, même en étant impur, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir une véritable relation avec Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas penser le contraire ? D'abord, j'ai pas dit une relation avec Dieu tellement forte, justement, que même l'impureté ne pourrait dire le contraire aussi. D'abord, j'ai pas dit qu'il pouvait entrer au temple. C'est une marque loquette chez les Acharonim pour savoir si du coup, il peut le faire a priori ou pas. Maintenant, pour ce qui est du fait d'être
encore une fois, le fait de pouvoir être en relation à Dieu est marqué, le marqueur de la relation à Dieu est le fait que l'impureté ou la pureté existe. Ici, si l'impureté n'a pas de prise, c'est que la relation n'existe pas. Vous allez me dire, quel rapport avec Abraham et Sarah ? Eh bien, regardez la dernière phrase. Tout en bas, c'est le Talmud, c'est Yevamot, c'est pas Miroclin qui provoque. Amar Rabbi Ami, Abraham et Sarah, Tumtumim Ayou. Abraham et Sarah étaient hermaphrodites. Dure doucement. Ah, ça vous plaît, ça. Est-ce qu'un hermaphrodite n'est pas stérile? Évidemment, c'est compliqué de comprendre comment ils ont pu avoir dès lors des enfants. Ça veut dire que c'est possible. Alors, moi, je dirais les choses un peu autrement. C'est que, comme Marc l'a rappelé tout à l'heure, Abraham et Sarah ont été capables d'une adresse l'un à l'autre à certains moments, et incapables à d'autres, comme dans l'exemple que je vous ai cité. Je pense que leur hermaphrodisme a été fluctuant. Mais qu'il y avait chez Abraham et Sarah c'est le premier couple humanisé de l'histoire. Abraham et Sarah, le premier patriarche, la première matriarche, c'est la première relation homme-femme connue. Noah a eu une femme, Adam a eu Ève, certes. Mais quand je dis humanisé, c'est-à-dire que la Torah raconte avec force et détail leur relation. C'est les premiers à avoir fait naître au monde l'idée d'une relation homme-femme et de ce que ça impliquait. C'est-à-dire que, je dirais, ils ont instillé dans le monde l'idée d'une sexuation, mais ça marchait pas. Ils ont pu avoir un enfant, certes, mais avec ô combien de difficultés, puisque le Talmud dit que non seulement Sarah était stérile, mais qu'en plus elle n'avait pas d'utérus, ce qui va bien dans le sens de ce que le Talmud dit ici, je vous en ai fait grâce. Mais le Talmud prouve à l'aide de versets qu'Abraham et Sarah étaient hermaphrodites. En tout cas, ce que je veux vous dire, et là tout devient plus clair, c'est que s'ils sont incapables d'une adresse à l'autre, c'est parce que leur identité sexuelle, du moins à ce moment-là, n'est pas affirmée. S'ils ne se parlent pas, c'est parce que, du moins à ce moment-là, ils sont dans cette posture hermaphrodite, si on veut dire qu'elle n'est pas une réalité biologique. Et que donc ce qui permet la relation à l'autre, ce qui autorise la relation, la condition de la relation, c'est une identité sexuelle
affirmer. C'est pour ça que l'homme et la femme sont capables, contrairement aux autres espèces animales, sauf deux, d'avoir une relation face à face. Ça veut dire une relation face à face. Ça veut dire une relation. Ça veut dire une relation sexuelle où l'autre est autre chose qu'un objet sexuel ou un vecteur de fertilité, mais où l'autre est un autre. C'est ça que ça veut dire face à face. Parce que Dieu s'est adressé à eux. C'est-à-dire parce qu'à un moment donné de leur histoire et de l'histoire de cette espèce, Dieu a fait naître en eux cette conscience de l'autre. Puisque Dieu est le grand autre et qu'il s'est adressé à eux, ça a marqué leur être de cette capacité d'adresse à l'autre qui se joue aussi dans la relation sexuelle. Pour synthétiser la première partie de ce cours, je le redis, la relation à autrui n'est possible que dans ce que j'appelle une sexuation, c'est-à-dire une identité sexuelle affirmée. Donc ça j'ai une question, je comprends le raisonnement, mais on pourrait que c'est un peu un scoop. Ouais, c'est vrai, c'est bien dit ça. C'est bien dit. Je suis là pour ça. On suit le texte. Je comprends le raisonnement et vous dites c'est parce que à ce moment-là Abraham et Sarah sont dans une posture hermaphrodite, oui. Ils ne peuvent pas se parler. Mais c'est quoi une posture hermaphrodite? C'est ce qu'on va essayer de définir maintenant. C'est-à-dire que puisque comme vous l'avez soulevé, ils ont eu à d'autres moments de leur histoire la capacité d'enfanter, la capacité de se parler, la capacité d'être en relation avec l'autre. C'est donc bien que ce n'est pas un hermaphrodisme foncier et peut-être même pas biologique. C'est pour ça que j'ai parlé de posture hermaphrodite. Et évidemment, et là, on va passer à la deuxième partie du cours, c'est quelque chose qui peut se produire dans tout couple hétérosexuel aujourd'hui. On peut, à certains moments, ne pas savoir être dans cette posture sexuée. Encore faut-il pouvoir la définir. Et c'est là que les choses se compliquent beaucoup. Pourquoi c'est dans une relation hétérosexuelle, puisque la base, c'était d'être sexué. Ça demande un cours sur l'homosexualité à part entière. C'est fondamental, mais pourquoi est-ce que l'autre n'est véritablement autre que lorsque l'identité sexuelle est différente, et pas seulement parce que son humanité est différente? Ça, c'est un cours en tant que tel, ah, bonne idée. Qui vaut la peine. Maintenant, elle est obligée là. Il y a quelqu'un qui a pissé, mais il est impatient. Est-ce que ne veut pas inscrire ceci, surtout l'apparition du symptôme, sur le fait d'une concept qui se mène et aussi traverse la Torah, c'est l'avdil, la différenciation, la séparation entre les concepts, entre les vous avez Abdallah, et que donc c'est, le tumtum, c'est justement l'indifférencié. Vous avez mille fois raison, mais c'est plus que ce concept de Havdalah, c'est le concept de Kedusha, qui veut
dire la même chose, puisque Kadosh veut dire séparer. C'est ce qu'on a développé longuement il y a 4 mois. Et là, on parle bien de rentrer dans l'enceinte du Bet Amigdash, c'est-à-dire du lieu de la séparation. Et cette séparation, comme elle n'existe pas dans le cas de l'hermaphrodite, elle ne peut pas avoir de conséquences quant à cette kedusha. Dans un registre un peu lointain et différent, mais le flou, l'incertitude, c'est aussi ce qui pèse sur les relations sexuelles interdites. Lévitique 18. Pourquoi dites-vous cela ? Parce qu'il y a incertitude sur la parenté, la filiation. On crée ces situations où le frère et le père, enfin, il n'y a plus de clarté dans la filiation. Ça peut exister. Les 15 relations sexuelles interdites par la Torah, les 15 incestes, sont très claires. Mais effectivement, ils peuvent amener à des situations où on ne saura plus qui est l'enfant de qui, et où ça posera des problèmes à ce niveau-là. Mais ce n'est pas nécessairement à cause du flou. D'accord. Alors. En tout cas, oui. Juste un mot pour aller dans le sens du fait qu'il y a quelque chose de non désirable dans cette indifférenciation. C'est quand même frappant sur le plan étymologique que c'est la même racine que l'idiotie, quelque chose de non souhaitable. Mais tom-tam en hébreu moderne, c'est idiot. Il y a un manque, il y a une déficience. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Absolument. Mais tom-tam, c'est l'insensé. Oui, monsieur. J'ai une question. Je n'avais pas encore besoin d'une précision, on va dire. Vous dites que des personnes qui sont hermaphrodites, Dieu finalement ne veut pas, si j'ai bien compris, avoir de relations ou de. Pas de relations, mais de. De liens. Lien. J'ai pas dit ça, parce qu'ils ont un lien à Dieu autre. Ils ont des commandements divins, donc un lien à Dieu qui existe. Comment ça se fait, simplement la question, c'est comment ça se fait que Dieu intervient dans leur querelle de couple, là dans Bereshit, alors que s'ils sont hermaphrodites, normalement, finalement, Dieu ne devrait même pas, entre guillemets, les calculer, quoi. Oui, c'est tout à fait juste. C'est pour ça que j'ai dit que c'est Abraham et Sarah qui ont fait naître à l'humanité l'idée d'une sexuation. Et que Dieu, par son intervention, les a encouragés dans ce sens. Ça veut dire qu'avant Abraham et Sarah, il y avait de l'indifférenciation. Ça veut dire qu'avant Abraham et Sarah, c'était pas le problème. C'est comment dire ? Les couples servaient à procréer. C'est ce qui se passe avec Noah et avec les espèces dans la Teva. L'idée de la relation à l'autre est née au monde avec Abraham et Sarah. C'est en plus qu'ils sont hermaphrodites tous les deux. Oui, mais encore une fois, ils le sont, on va dire, comme l'était toute l'humanité jusqu'à eux. Mais ils ont tenté, et Dieu les a aidés en s'adressant à eux, à sortir, tenter de sortir de ça. Et c'est là qu'ils ont pu avoir Yitzhak, qui est lui le vecteur de la descendance juive. Et juste un point, c'est que Abraham, à la fin, après la mort de Sarah, il épouse Keturah, Biraga, et il a beaucoup d'enfants. Plein. Mais il a déjà eu un premier enfant. C'est la question que je voulais poser. Est-ce que cette histoire de le point de vue de Rabbi Ami, c'est la halakha, c'est-à-dire que c'est un point de vue qui est prépondérant, que Abraham et Sarah étaient des Toumtoumim, c'est un point de vue qui est prépondérant et accepté comme tel. Il n'a pas de contradicteur. D'accord. C'est pas de la racha. Mais il n'a pas de contradiction. Donc c'est quelque chose qui est accepté en tous les cas, oui, de manière générale dans la nuit. Mais en tout cas, encore une fois, la question est de savoir ce qu'il a voulu nous enseigner par là. J'espère vous l'avoir aidé à temps. Maintenant, la deuxième partie du cours, maintenant que ceci est établi, c'est-à-dire que la relation à l'autre implique une sexuation.
Alors évidemment, pendant des siècles, ça a fonctionné relativement simplement. Et les hommes et les femmes étaient plutôt clairement distingués. Et donc la relation était relativement, la relation à l'autre, était de ce fait naturelle. Mais aujourd'hui, en 2019, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on est vraiment dans un sujet pour ceux qui me connaissent un peu, on me raille beaucoup parce que je ne parle que de ça, mais j'assume. J'assume parce que le sujet de la relation homme-femme inclut absolument tous les autres sujets. Ça fait 20 ans que je bosse là-dessus. Et c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui, vu ce que deviennent les relations, vu les difficultés à être en relation, vu la proportion de divorces, il est criminel de ne pas se poser la question de savoir comment affirmer cette identité sexuelle en 2019. Ça a été très simple jusqu'à il y a peu de temps dans toutes les sociétés patriarcales, où les places étaient définies, c'est-à-dire où les fonctions des uns et des autres correspondaient aux natures. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'il y a des micro-ondes. Et non pas parce que les femmes travaillent, bien que ce soit un élément non négligeable, mais le chamboulement majeur que nous connaissons depuis quelques décennies et depuis, avec beaucoup plus d'intensité depuis une dizaine d'années, notamment dans le milieu orthodoxe, c'est l'accès des femmes à la connaissance. La connaissance. Ça, c'est le chamboulement majeur auquel nous sommes confrontés. Je n'ai pas dit que c'était un problème, j'ai dit que c'est un chamboulement. Et je vous renvoie avec insistance au dernier livre de Lionel Nakache sur ce sujet. Celui-là, Nous sommes tous des femmes savantes, qui est un livre qui dit admirablement le lien entre connaissance et sexualité. C'est-à-dire quel impact a l'accès des femmes à la connaissance sur la façon dont le couple peut vivre sa sexualité. Et de quelle connaissance on parle ?
on parle, ça va être tout le sujet. Ça va être tout le sujet. Mais on peut dire dans un premier temps de façon simple que du point de vue juif, en tout cas, il s'agit d'un accès au texte. Pourquoi tu parles d'une dizaine d'années pourquoi tu parles Parce que les choses se sont énormément accélérées ces dernières années dans la naissance d'institutions consacrées à l'étude pour les... Ah d'accord, dans le milieu, je crois que... C'est ce que j'ai dit. J'entends, mais de la connaissance, l'accès des femmes à la connaissance, il date de 100 ans, en tous les cas, à peu près. Il date d'il y a 70 ans, à peu près, on va dire après-guerre. D'accord. On va dire grosso modo, après-guerre, à quelques très rares exceptions près, c'est venu avec... le droit de vote et le droit de posséder un compte en banque. Mais. Et c'est venu aussi, évidemment, avec la loi de Wirth et la loi Veil. Tout ça est extrêmement et intriquement lié. L'accès à la contraception, à la légalisation de la contraception et de l'avortement sont évidemment aussi liés à tout ça. Mais encore une fois, je n'ai aucun souci avec ça. Je vous signale, je suis en train d'étudier avec vous, hommes et femmes, des textes de notre tradition. Mais il est impossible que ça n'ait pas d'implication dans nos intimes. Je voudrais, parce qu'on a beaucoup de boulot, on en a pour longtemps, hein. C'est un sujet énorme, pas dans la masse de choses à traiter, mais tellement important. Faisons le premier texte. C'est un texte que j'ai utilisé, que vous m'avez peut-être entendu utiliser, à propos de la journée d'études que la Yeshiva a organisée en 2017, sur les progrès technologiques, mais que je vais ici juste vous citer, mais utiliser de façon totalement différente. Oui, si je vous distribue pas la deuxième. Oui, ça va être le premier texte. Oui, mais t'as toujours eu la trajectoire des femmes. C'est juste la Gemara qu'elle n'étudiait pas. Traditionnellement, les femmes étudiaient la Torah. En tout cas, étudiaient la Torah, les femmes pieuses. Ok. Et la connaissance, c'est quoi? On fait quoi, nous, sans la Gemara? Aujourd'hui, elles y ont accès. Et tant mieux. Mais, il faut le gérer. Bien. C'est bon, nous y sommes. Tanou Rabanan, l'abréviation tout en haut. Je vous attends 2 minutes. Nos maîtres ont enseigné. Maasé be'echad she meta ishto. Il s'est produit une histoire. Alors là, quand le Talmud dit Maasé, pour le coup, en général, c'est vrai. Il s'est produit une histoire avec un homme dont la femme est décédée. Ve enicha ben leyanek. Elle a laissé un fils en âge d'allaiter. Veloya losrar menika liten. Et lui, ce pauvre homme veuf, n'avait pas suffisamment d'argent pour payer une nourrice. Vena Selones, il lui est advenu un miracle.
Veniftechu lodadin kishne dade isha. Ces deux seins se sont ouverts comme les seins d'une femme. Veenik et beno, et il a allaité son fils. C'est belle. Alors, effectivement, alors, je vous renvoie au cours qui est en ligne sur le site de la Yeshiva, qui s'appelle le Talmud face au progrès technologique ou quelque chose comme ça, où ce texte est analysé pendant en long, en large et en travers. Ce soir, c'est pas du tout le but. Mais vous comprenez bien que cette histoire rentre dans le cadre de ce que nous nous disons depuis tout à l'heure. Pour la petite histoire, cette chose-là est en effet totalement possible. Un cas similaire d'un veuf avec un enfant en bas âge est arrivé au Sri Lanka en 2002. Il y a des tribus pygmées où c'est les hommes qui allaitent. Et il faut savoir qu'au sortir des camps de concentration, un nombre non négligeable d'hommes avaient du lait. Pourquoi ? Parce que ce qui produit le lait chez la femme est la prolactine. Ce qui empêche la production de prolactine, c'est la dopamine. Or, c'est le foie qui produit la dopamine. Et le foie est l'organe qui, au sortir des camps, quand ils ont pu manger à nouveau, est l'organe qui a mis le plus de temps à fonctionner à nouveau. Donc pendant un temps, ils ne produisaient pas de dopamine tout en produisant de la prolactine. Et ils ont donc eu du lait. C'est tout à fait possible. En tout cas, voilà l'histoire qui est arrivée à cet homme. Et il n'est pas ici le propos de développer les tenants et les aboutissants de cette histoire qui est extraordinaire. Puisqu'il y a un grand débat qui suit dans le Talmud pour savoir si ce qui est arrivé à cet homme est une bonne chose ou pas. Et un talmudiste va dire, regarde comme cet homme est méritant pour qu'il lui soit arrivé un tel miracle. Et son confrère va lui dire, au contraire, regarde comme cet homme est petit pour que l'ordre de la nature ait été changé pour lui. Ce que je veux voir avec vous ici, c'est le commentaire du Maharal de Prague, juste en dessous, qui a pour moi été une révélation, et je vais vous dire pourquoi. Se laisser pénétrer par la connaissance, c'est être capable de changer de point de vue, de se remettre en question, et ça a été le cas pour moi avec ce texte du Maharal, qui a pourtant mis à mal 15 bonnes années de théorie. Parce qu'il dit la chose suivante. Dans son commentaire sur ce texte du Talmud, il dit Oumi davarze de cette histoire, yesh lecha l'ilmod davar mouflag be'inyan ayetzir. Il y a lieu d'apprendre une chose. Mouflag, c'est un mot d'une emphase. Si je dis extraordinaire, c'est pas assez. Hein. Et le Maharal n'est pas habitué aux mots emphatiques. Donc il y a ici quelque chose qui pour lui est de l'ordre de l'exceptionnel. Et il dit donc, tu as de cette histoire à apprendre quelque chose d'exceptionnel quant à la création, c'est-à-dire à la façon dont le monde fonctionne. Qui dadé à Zahar, yesh aleem shem dad legamre. Que les seins d'un homme s'appelle des saints. Comme cette histoire dans le Talmud vient de le dire. Et comme si ça ne suffisait pas, le Maharal ajoute, Veoudavar mouflag veamok. Et c'est une chose exceptionnelle et d'une profondeur absolue. Vezé en cela qui a dadim. Chez Azahar, Chavelish.
que les seins d'un homme sont équivalents à ceux d'une femme. Pourquoi est-ce que le Maharal dit qu'il y a ici quelque chose, un enseignement tout à fait incroyable et d'une profondeur abyssale? C'est comme si je vous disais, bah oui, une femme et un homme, ça s'appelle la poitrine. C'est-à-dire, j'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Le Maharal dit non. Le fait que la Gemara s'exprime ainsi, c'est-à-dire qu'elle appelle les seins d'un homme des seins, établit une équivalence entre les seins d'un homme et les seins d'une femme, c'est-à-dire, et sans le vouloir, c'est ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure, avec les attributs génitaux des hommes et des femmes, que les deux ont les deux. Et le fait que les deux ont les deux, et que le système mammaire de l'homme pourrait pertinemment fonctionner si on lui mettait un peu de prolactine dans le centre, simplement son système mammaire est atrophié, tout comme le pénis s'est atrophié en clitoris chez la femme, les testicules en lèvres, parce que biologiquement c'est ça qui se passe. Le Maharal est en train de nous dire en effet quelque chose qui m'a bouleversé parce que ça a bouleversé toutes mes croyances, à savoir que l'identité sexuelle n'est pas une question de nature. Que un homme et une femme, c'est la même chose. Non. Sur le plan naturel. Écoutez. Le Maharal te dit, du point de vue de la nature, c'est la même chose. Nature, c'est biologique ? Oui. Oui. Moi, j'ai toujours pensé que ce qui faisait essentiellement la différence sexuelle, c'était la nature biologique. Et j'ai construit beaucoup de cours là-dessus. Et ce texte m'a bouleversé, en tout cas j'ai bien voulu me laisser bouleverser par lui, parce qu'il dit l'inverse. Le Maharal dit, non, les seins d'un homme, ça s'appelle des seins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du point de vue de la nature, il n'y a pas de différence. Et que ce qui distingue, ça ne peut pas être la nature. Vous m'avez dit, c'est quoi nature? Du point de vue philosophique, c'est le contraire de la fonction. Et le Maharal est en train de dire que ce qui permet donc la sexuation, l'affirmation de l'identité sexuelle, c'est non pas la nature, mais la fonction. Ça, c'est effectivement quelque chose d'exceptionnel. Si j'en entends un dans cette salle qui me dit c'est la théorie des genres, il sort. Ça n'a rien à voir. C'est quoi la fonction ? Rien à voir. Un autre mot pour fonction, pour la nature, on comprend, mais c'est la fonction, je comprends pas le mot. Eh ben, c'est précisément ce que je vais essayer de définir. Quand pendant des siècles, depuis Cro-Magnon, qui sortait de sa caverne pour aller à la chasse et qui ramenait le bison que sa femme faisait cuire, et les fonctions étaient claires, alors tout allait à peu près bien. Good old time. Mais c'est plus comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de prison dans le 17e, c'est vrai.
sûr qu'il se parlait chez les Cro-Magnon. Ouais. D'une certaine façon. Mais Cro-Magnon, c'était encore, jusqu'à la libération sexuelle, c'était le cas. Dans les tenues vestimentaires. Dans tout. La distinction se faisait. Mais aujourd'hui, et encore une fois, je mets à part, s'il vous plaît, le sujet de l'homosexualité. En revanche, je ne mets pas à part le chiapatisme paritaire. Quoi ? Le chiapatisme paritaire. Ça, non. Ça a des conséquences. C'est bien, ouais. Merci. Ok. Vous savez ce que fait Marlène Schiappa ? Bah finalement, elle plagie le mal. Un homme et une femme, c'est pareil. Le problème, c'est qu'elle, elle croit que du coup, on doit mettre l'affirmation de l'identité sexuelle totalement de côté. Et élimer le plus possible les différences. Là, par contre, là, t'auras plus du tout. Et donc, la question. Donc, ça fait 2 ans que j'ai découvert ce texte. La question. Je suis ému en vous en parlant parce que c'est une question terrible. Si on peut répondre à cette question, on sauve l'humanité. L'humanité souffre du fait de ne plus savoir de façon claire quelles sont les fonctions des uns et des autres qui permettent une identité sexuelle affirmée, qui permettent la relation à l'autre. Et la relation à l'autre n'est plus possible si ce n'est pas le cas. Et donc je cherche, et je cherche. Et je cherche avec vous. Comment affirmer des identités sexuelles propres, claires, distinctes, si ce n'est pas par la nature? Et si ce n'est pas non plus par la fonction, puisque les fonctions sont complètement chamboulées. C'est inextricable. L'islam a trouvé ? Non ! L'islam n'a rien trouvé. L'islam a refusé de prendre en compte cette évolution sociétale et a refusé l'accès à la connaissance des femmes. Et encore une fois, de mon point de vue, je vous renvoie au livre de Lionel Nakache, c'est ce qui change tout. Parce que la connaissance et la sexualité... C'est la même chose. Le terme en hébreu pour dire avoir une relation sexuelle, c'est connaître. Connaître. Okay. Ça, c'est pas clair encore. Hein. Qu'est-ce qui est pas clair ? Non, mais ça, ce point de vue. C'est ouais, ça que je veux essayer de faire ce soir. Le fait que la Torah dit Zachar unkeva bara oto, c'est bien deux choses totalement différentes, mais au niveau de la nature, pas au niveau de la fonction. Je sais pas. J'ai rien compris. Mais on n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de différence naturelle. Okay. Je pense que si tu te déshabilles là, oui, et que ta femme se déshabille, on va voir des différences. Il y a peu de chances que ça se produise dans le cas de ma femme en tout cas. Mais bon, pardon. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de différence naturelle. J'ai dit que ce n'est pas ce qui faisait l'affirmation sexuelle. Mmh. Ok, c'est très important. Excuse-moi pas. Et c'est là
que je n'aurais jamais pu tenter, mais je suis là vraiment pour le coup, dans une étude avec vous de textes que je n'ai jamais enseignés, qui me sont moi aussi nouveaux et donc à moitié conçus seulement, et forcément à moitié énoncés. Mais c'est pas grave. Sans l'aide de la philosophie phénoménologique, je pense qu'on ne peut pas résoudre cette question. Et notamment d'Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas est loin d'être ce philosophe de l'humanisme qu'on se plaît à... auquel on se plaît à réduire. Il est, de mon point de vue, l'un des plus grands penseurs de l'après-guerre. Non pas, comme disait un de mes maîtres, Rava Bitbol, dans ses livres sur le judaïsme, qui sont à peu près nuls, mais dans ses ouvrages philosophiques. Il en a écrit principalement deux, qui sont Totalité et Infini, ici. Et je défie quiconque présent dans cette pièce d'y comprendre une phrase. Et autrement qu'être au-delà de l'essence. Dans ses livres purement philosophiques, même si lui n'aimait pas qu'on distingue sa philosophie juive et sa philosophie athénienne, dans ses livres purement philosophiques, que j'ai la chance de travailler dans un groupe de travail de formation en analyse existentielle, de par mon métier avec un grand maître qui s'appelle Oleg Poliakov, nous lisons, nous travaillons quasiment exclusivement, un dimanche par mois, sur Totalité et Infini. Qui m'a permis des ouvertures et des compréhensions que je me suis efforcé de dire, puisque c'est quand même l'idée, avec des textes de Torah. J'ai hésité à vous photocopier des extraits de Totalité Infinie, mais je me suis dit que c'était trop compliqué, donc on va voir les textes que je vous propose et on en dira sûrement quelques mots pour essayer de synthétiser une pensée qui ne l'est pas, mais d'essayer tout de même d'en faire quelque chose. Regardez le troisième texte que vous avez sur cette feuille dans le traité Sophie. C'est pour moi le texte majeur à voir ce soir, donc on va s'y arrêter le temps nécessaire. Alors, il faut pour ça que je fasse comme tout à l'heure un pitch. La Torah, je n'ai pas voulu vous encombrer de plus de textes que cela, la Torah dans la paracha de Shoftim, dans le Deutéronome, dit les lois de la guerre. Et il y a deux types de guerres, les guerres de conquête et les guerres ordonnées par Dieu. Pour ce qui est des guerres de conquête, ce qu'on appelle Milchemet Rochout, des guerres qui ne sont pas obligatoires, il y a trois types de personnes qui en sont dispensées. C'est-à-dire qu'il y a ce ne sont pas des déserteurs, ce sont des exemptés. Ces trois types de personnes sont les suivantes. Celui qui a construit une maison et l'a habité moins d'un an. Celui qui a planté une vigne, et pour le dire très vite parce que c'est un peu compliqué techniquement, n'a pas profité de ses fruits l'intégralité de la quatrième année, puisque vous savez que les trois premières années,
on doit laisser les fruits pourrir, ça s'appelle la orla, et qu'on ne peut en profiter qu'à partir de la quatrième année. Et ces fruits-là, soit on les mange, soit on doit aller les manger à Jérusalem, pardon, soit on les vend et on va avec cet argent à Jérusalem dans un restaurant. Donc celui qui a planté une vigne et qui n'en a pas profité l'intégralité de la quatrième année, c'est-à-dire un an plein comme pour la maison, et celui qui a épousé une femme mais n'est pas resté avec elle une année entière. Ces trois personnes, donc toujours avec l'idée d'une année, sont exemptes de partir à la guerre. La guerre de Rechoute. À la guerre de Rechoute. Aux guerres non obligatoires. Ça, c'est le sujet. Il se trouve que chacun des trois cas que je viens de vous énoncer use d'un verset spécifique pour le dire. Il y a un verset pour la maison, un verset pour la vigne et un verset pour la femme. Et ces trois versets sont dans cet ordre. C'est-à-dire que la Torah nous indique cette dispense d'abord pour la maison, ensuite pour la vigne, et ensuite pour la femme. Et le Talmud va dire que cet ordre n'est pas arbitraire. C'est le sujet du texte que nous allons voir maintenant. Tanou Rabbanan, nos maîtres ont enseigné. Asher Bana, Asher Nata, Asher Aras. C'est trois extraits des trois versets dont je viens de vous parler. Asher Bana qui a construit, donc la maison en premier lieu, premier verset. Asher Nata qui a planté. Asher Aras qui a fiancé. Dans cet ordre. Et le Talmud remarque donc l'ordre. Et dit la chose suivante. Limda Torah derech eretz. La Torah n'a pas choisi cet ordre au hasard, bien que les dispenses soient strictement équivalentes, elle aurait pu prendre un autre ordre, mais elle n'a pas choisi cet ordre au hasard. Elle vient nous enseigner, Limda Torah, la Torah nous enseigne ici, derech eretz, la bonne façon de se comporter. Sheyibane Adam Bayit, qu'un homme construise une maison, Veyita Kerem, et qu'il plante une vigne, Veacharkar, et après ça, Issa Isha, qu'il épouse une femme. Ça, c'est ce que le Talmud veut tirer de l'ordre des versets au début de Parashat Shoftim. Et le Talmud dit, Ve'af Shlomo, et même le roi Salomon, Amar Bechokhmato, a dit dans sa sagesse, donc il a écrit quoi comme bouquin ? Michelet. Voilà, les proverbes. Et là, la Gemara cite intégralement le verset, Achen Bachutz Melartecha, prépare à l'extérieur ton travail, va teda basadelar, c'est un synonyme, et prépare ton champ, aha, et après, ubanita beteira, tu construiras ta maison. Achen bachutz melartecha, prépare à l'extérieur ton travail, zebaït, c'est la maison. Vous remarquerez qu'il est tout à fait extraordinaire que la Gemara se serve du mot extérieur pour qualifier la maison. Ve'ateda basade, et tu t'occuperas, tu prépareras le champ, lecha pour toi, zekerem, ça c'est la vigne, acha ubanita betecha, et après tu construiras ta maison, alors qu'il y a le mot maison, c'est la fin. Zoïcha. Ça,
On le voit à mille et une reprises dans Talmud. La femme, la maison, c'est le même mot. Un exemple parmi d'autres. C'est comme ça que le Talmud apprend, par exemple, que Esther et Mordechai étaient mariés. Puisque c'est marqué qu'elle était bat dodo, la fille. Donc, il avait pris, de, qu'il avait prise pour fille, oui. Qu'il avait adoptée. Et le Talmud dit Al-Tikra bat et la baït. Ne lis pas bat, mais baït, mais maison, c'est-à-dire qu'ils étaient mariés. Bon, ça, c'est pas inaudible que la maison signifie le foyer et donc la femme. Par contre, que l'extérieur signifie la maison, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Le bouquin de Lévinas dont je vous parlais est sous-titré Essai sur l'extériorité. Reprenons, avant la preuve, en tout cas l'étayage de la Gemara par ce verset, son enseignement. Un grand enseignement de vie, n'est-ce pas ? Achète une maison, plante ta vigne, et après épouse une femme. C'est contraire, en fait, la tradition, en plus. Alors, le discours, en tout cas, dans le monde orthodoxe, c'est exactement le contraire. C'est le « finis tes études, marie-toi après », ça n'existe pas. Hein. C'est « marie-toi, puis tu te démerdes ». Regardez, alors c'est, excusez-moi un tout petit peu petit, mais je l'ai grossi au maximum, parce que si vous saviez comment c'est petit, à la fin du traité dans le Talmud, je vais aller très vite, l'idée est essentielle, mais je vais aller vite parce que c'est difficilement lisible. C'est le commentaire de Rabbi Yaakov Emden, donc du Yahavetz, un très 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 grand sage du XVIIe siècle. Grand décisionnaire, donc ce qu'il dit ici est très important, c'est repris par d'autres, par le Maharsha, par le Torah Tmima. Beaucoup de commentateurs de ce texte du Talmud disent la même chose. Je vous le lis. Nireh be'enai, Nunbet, c'est l'abréviation de Nireh be'enai, il me semble. Im yesh lo kar ou derech eretz shelo. C'est si il possède tout cela que c'est la bonne façon de se comporter. Aval, loba akatuv, aval vadai, loba akatuv l'ilmod, mais c'est sûr, évidemment le verset ne vient pas t'enseigner. Chez Loïssa Aniisha, qu'un pauvre ne doit pas épouser une femme. Imi F. Charlot, qu'est-ce que c'est dérasé, s'il ne peut pas mettre en place cet ordre-là que la Gemara suggère. Abra, en vérité, Be Ani Abalissa Isha, quand un pauvre vient épouser une femme, Beddin, le tribunal, Vetsibour et la communauté, Mouzarin Alav, l'aide, l'isror lo baït pour lui louer une maison, ou l'atzia lomita, lui offrir un lit, ou klitash micho et des casseroles, chez Nehemar, comme c'est écrit dans le verset, daï marsero, etc. Acharkar masim loisha, et après il épouse une femme, kedeita, perek metziat aisha, comme ça enseigné dans le chapitre metziat aisha, dans Maseret Ktuvot. Aval en bonin lo baït vekerem. Mais jamais la communauté n'est tenue d'offrir à ce pauvre une maison et une vigne. Donc, le Talmud nous dit que si quelqu'un a les moyens, puisqu'on parle que de ça, alors faut qu'il construise sa maison avant d'y faire entrer sa femme. Merci le Talmud. Il y en a un parmi vous qui, s'il avait l'argent, ferait l'inverse de ce que le Talmud dit là. Évidemment. Si on a l'argent, on construit la maison et après on se marie. Le Talmud, ici, n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner ? Il faut d'abord construire une maison, puis planter sa vigne. Maison et vigne, c'est pareil. La preuve, c'est que
le Rambam, Maïmonide, quand il reprend la halakha par rapport à cette Gemara, les inverse, alors que c'est l'ordre des versets, il se permet de les inverser, donc pour lui c'est la même chose. Donc il y a maison et vigne d'un côté, c'est pareil, et femme de l'autre. Et donc, tu as la maison et la vigne. Ah bah oui, il faut... Si tu as les moyens, hein, parce que si tu n'as pas les moyens, personne ne va t'empêcher d'épouser une femme. Tu épouses une femme quand même quand tu es pauvre. Mais alors si tu es riche, construis ta maison avant d'épouser ta femme. Ça c'est un, comment dire, c'est un secret pour le bien-être de l'humanité. Ça. Qu'est-ce que le Talmud vient nous enseigner? Je propose de lire la chose suivante. Alors évidemment, vous l'avez en dessous, donc si vous trichez et que vous regardez, ça ne marche pas. Mais où est-ce qu'apparaît, pour la première fois dans la Bible, le mot « maison » ? Le mot « maison » qui se dit « bait ». « Bait ». « Bait ». « Noir ». Merci Clément. Ah, t'as triché, Stéphane. C'est vrai, quand on veut savoir la définition d'un mot, ça c'est réputé, on cherche la première fois qu'il apparaît dans la Bible. C'est la démarche moderne de Rav Forman dans tous ses livres, mais c'est bien plus ancien. La première fois que le mot bayit apparaît dans la Torah, il signifie justement pas maison. C'est le verset que vous avez en dessous. C'est quand Dieu intime l'ordre à Noé de construire l'arche. Asé lecha tevat atse gofer. Fais pour toi une arche de bois de gofer. Kinim ta asé et ta teva. Tu feras des étages à l'arche. Vecha farta ota. Et tu l'enduiras mi bayit ou mi chutz. Évidemment, ici, c'est pas une maison. C'est le contraire de route, c'est sa route, c'est extérieur. Donc, mi bayit, ça veut dire l'intérieur. À l'intérieur et à l'extérieur, bac au fer avec du poids. Du poids, ouais. C'était, ça servait à ça, hein. Monsieur Belfigor. Alors. Vous pouvez chercher, hein, vous pouvez y aller, vous ne trouverez pas le mot baït avant, dans la Torah. Et donc le mot baït, bien que par la suite, signifiera à plusieurs reprises maison au sens propre, ne signifie dans la Torah, avant toute chose, pas maison, mais intérieur. Et donc, et là, c'est un peu le psy qui entre en jeu, l'intériorité. Ce qui veut dire que la Torah, le Talmud, en prenant cet ordre des versets au pied de la lettre, nous enseigne en effet quelque chose de tout à fait essentiel. C'est que si l'homme ne construit pas son intériorité, il ne peut pas épouser une femme.
Qu'est-ce que ça veut dire une intériorité? C'est là que Lévinas intervient et qui va longuement développer ce que lui va appeler une demeure. Non pas une maison, mais une demeure. À partir de la page 162 de son livre, il y a un chapitre qui s'appelle « La demeure », qui est très lié avec tout le reste du livre, mais où il développe cette idée et c'est pour ça que son livre s'appelle « Totalité et infini », entre autres. C'est parce que pour Lévinas, il y a une totalité. C'est quoi la totalité? C'est notre système. On dirait en philosophie phénoménologique, notre façon d'être au monde, aux choses et aux gens. Notre façon d'exister. Notre totalité, c'est ça. Et il y a quelque chose qui transcende, dit Lévinas, cette totalité, qui va appeler dans le titre de son livre un infini, dans le sous-titre une extériorité, et à bien des reprises de 10 autres manières, autrement qu'être, autrui, Dieu, le messianisme. Tout ça, c'est la même chose pour lui. C'est ce qui transcende cette totalité. Or, sans vouloir réduire sa philosophie, la totalité chez Lévinas, c'est notamment, pas que, mais notamment, le fait de se construire une demeure intérieure, une intériorité. Lévinas dira une capacité d'accueil. Et il va appeler ça la femme. Tout en parlant de l'homme, vous l'avez bien compris. Et pour Lévinas, pour qui, dans ce qu'il appelle l'éthique, il faut bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle d'éthique chez Lévinas. L'éthique, ce n'est pas de la morale. L'éthique, c'est la relation à l'autre. Il y a chez Lévinas pour qui l'éthique, la relation à l'autre, est le but de l'existence. Il y a un double mouvement permanent entre cette totalité et cet infini, entre cette demeure intérieure et cette relation à l'autre. C'est-à-dire, qu'on ne peut pas se satisfaire de demeurer, de s'habiter sans aller vers l'autre. Mais que cette relation à l'autre est impossible sans la construction de cette demeure intérieure. Et ça, c'est la connaissance, c'est ça? On y arrive. Okay. Et c'est donc, de façon obligatoire, la construction de cette demeure intérieure chez Ibane Adam Bayit, qu'un homme construise son intériorité, qu'il plante une vigne et qu'après il épouse une femme. On parle donc bien ici de l'homme. La condition pour l'homme
de la relation à l'autre, c'est-à-dire à sa femme, c'est d'avoir construit au préalable son intériorité, sa maison intérieure, sa demeure. Le drame, c'est que le mariage ne peut pas servir à ça. Le mariage ne peut pas servir à ça. C'est le drame. C'est que beaucoup d'hommes se marient en pensant que ça va leur permettre de construire cette intériorité. Or, s'ils ne la construisent pas avant, le mariage se terminera mal. S'il vous plaît. On pourra en parler toute la nuit après, s'il vous plaît. Et ça, c'est ce que Lévinas appelle la femme. Je ne sais pas pourquoi il refuse de l'appeler la féminité. Je préfère l'appeler la féminité. Et vous avez bien compris que la féminité n'a rien à voir avec le féminin. Je dirais donc, excusez-moi, pourquoi j'ai dit que le drame, c'est que ça ne pouvait pas se construire dans le cadre du mariage ? C'est parce que le verset est... Alkenia zol ish et avivet imov et avak beishto. Au tout début de la Genèse, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère, c'est-à-dire se construira sa propre intériorité, vedavak beishto, et s'attachera à une femme. Et Rava Bibol m'enseignait. C'est chronologique. Si tu n'abandonnes pas d'abord, tu ne peux pas t'attacher. Si tu ne construis pas d'abord ta demeure intérieure, tu ne peux pas épouser. Ça ne peut pas être le fait d'épouser qui construise. Et donc je dirais, et là on touche à des choses extrêmement profondes, intimes, difficiles, j'en ai conscience, mais que la fonction de l'homme, puisqu'on parlait de fonction en opposition aux natures, la fonction de l'homme en 2019, mais de tout temps, mais plus en 2019 qu'auparavant, puisqu'en 2019, plus aucun élément extérieur ne vient masquer ce devoir. La fonction de l'homme, c'est d'accepter sa part de féminité. Sa part de féminité. Ça, c'est mon interprétation. Et c'est ce que je veux vous dire. La fonction de l'homme, c'est de créer en lui une structure intérieure suffisamment solide pour qu'elle soit une capacité d'accueil qui lui permette la relation à l'autre. Sans ça, il ne peut pas avoir de relation avec sa femme. S'il n'est pas construit, il ne peut pas avoir de relation avec elle. Si il ne s'habite pas. C'est-à-dire, si l'autre lui est nécessaire. La seule possibilité d'être en couple, c'est de ne pas avoir besoin de l'autre. Quoi ? Si l'autre est nécessaire, c'est que cette intériorité n'est pas suffisamment construite et que la relation à l'autre est impossible. L'autre, comme disait Lacan, l'autre n'est rien. L'autre, c'est mieux avec lui. Mais en aucun cas, aucun, je n'en ai besoin. Et quand l'autre, dans une relation, devient une nécessité, c'est la fin de la relation. Ça, c'est pour les hommes.
Pourquoi est-ce que... Est-ce que j'entends, je vous entends râler. Pourquoi la nécessité n'autorise pas la relation parce qu'elle est le contraire du désir. Elle est le contraire du désir. S'il y a nécessité, il n'y a pas désir. Maintenant, je vous laisse réfléchir à ça. Ça, c'est la fonction de l'homme, d'après moi, d'après ce que j'ai compris de ce texte du Talmud de Babylone dans le traité Sota. Construis-toi une maison, mais non pas une maison, mais une intériorité pour pouvoir épouser une femme, c'est-à-dire accepte ta part de féminité pour reprendre Lévinas. Construis ta demeure intérieure et ta capacité d'accueil. Sinon, la relation à la femme est impossible. C'est comme ça qu'un homme très... Comment dire ? Dans un mouvement paradoxal typiquement juif, doit affirmer le fait d'être un homme, c'est dans l'acceptation de sa féminité. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est d'une femme ? C'est quoi sa fonction ? J'en sais rien, je ne suis pas une femme. Je ne peux pas le savoir. Je serais un charlatan. Mais j'ai une petite idée. J'ai une petite intuition. Petite intuition auquel m'ont aidé les Linas. Intuition féminine. Féminine. Intuition à laquelle m'ont aidé Lévinas et Lionel Nakache, mais que je vais dire en des termes de Torah, dans les deux derniers textes que vous avez ici, puisque je l'ai dit, mais il n'est pas le lieu ce soir de le développer, que ça demanderait plusieurs heures, et que je vous renvoie encore une fois au livre de Nakache. Que la connaissance, l'accès à la connaissance pour les femmes est le chamboulement majeur auquel nous sommes confrontés dans cette perturbation des identités sexuelles, jusque-là affirmée plus naturellement. Eh bien, la Torah dit la chose suivante. Vous avez le texte du dernier texte du Talmud de Babylone dans le traité Psachim, juste en dessous. Tana Rabbi Chia. Rabbi Chia a enseigné. Kol haosek batora lifne amaharetz. Tout celui qui étudie la Torah devant un ignorant. Keilu boel arusato befanav. C'est comme s'il avait une relation sexuelle avec sa fiancée devant lui. Sa fiancée devant lui. Avec la fiancée de l'ignorant. C'est la fiancée de l'ignorant. Vous allez le voir dans le commentaire. De l'ignorant. Chez Nehemar, comme il est écrit dans le verset, verset au tout début de Vezot Abracha, que vous connaissez, que tous les enfants chantent à l'école, en ignorant ce passage du Talmud, bien sûr. Torah tziva lanu Moshe Morasha. La Torah que Dieu nous a ordonnée, que Moshe nous a ordonnée, Morasha est un patrimoine. Le verset se termine, Keilat Yaakov, pour l'assemblée de Jacob, c'est-à-dire le peuple juif. Et le Talmud nous dit, Rabbi Chia nous dit dans le Talmud, Al tikre moracha, ne lis pas moracha, patrimoine, et la meurasa, mes fiancés. La Torah est une fiancée pour Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ?
regardez en dessous le commentaire de Rav Baruch HaLevi Epstein qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle le Torah Tmima, qui vivait en Pologne, à Lodz, me semble-t-il, au tout début du XXe siècle, et qui a glané dans le Talmud tous les passages en les classant dans l'ordre des versets. C'est-à-dire que dès que le Talmud parle d'un verset, il le dit. Et donc, il y a un Chumash, il y a une Torah, mais à chaque verset, il y a tous les passages talmudiques qui traitent de ce verset. C'est déjà un travail énorme, qui d'ailleurs, ce travail-là est traduit en français. Mais il y a surtout son commentaire à lui sur ces passages du Talmud, qui est, moi, que j'aime beaucoup, qui lui n'est pas traduit, hélas, et qui dit la chose suivante. Je vous le dis rapidement parce que l'idée est très simple. Nirei Hakavana, il me semble que l'intention de ce passage du Talmud que nous venons de lire est la suivante. De Kevan Sha Torah Yerusha Ile Israël, que puisque la Torah est un patrimoine pour Israël, la chen, Kol Ishme Israël, de fait, donc, tout homme juif, Kesherahu l'ilmod, quand il est capable d'étudier, ou Meshubad l'ilmod à Torah, il est astreint d'étudier la Torah, Ve'ave à Torah be'erech, et la Torah est comme Arusalo, fiancé à lui, Me'as Shenolad, depuis qu'il est né. Ou Keshelomed be'poal, et quand il l'étudie effectivement, avec Enesualo, c'est comme s'il se mariait avec elle. Elle est sa fiancée depuis la naissance, c'est-à-dire qu'elle lui est réservée depuis sa naissance. Mais quand il l'étudie, elle devient sa femme. Velachen, c'est pourquoi Amaret Sheino Lomed, l'ignorant qui ne l'étudie pas, Nishara Etzlo Torah Berech Arusa, la Torah reste pour lui dans un statut de fiancée et pas de femme. Dans l'état dans lequel elle était quand il est venu au monde. Et donc, quand quelqu'un étudie la Torah devant lui, c'est comme s'il allait avec Eiluba la Roussato, avec sa fiancée à lui, Befanav devant lui, chez Domé Keilu Notel Gamcheko, et donc comme s'il prenait aussi sa part, puisque lui ne la prend pas. Donc, si on suit la lecture du Torah Tmima, que vient nous enseigner ce passage du Talmud dans Psachim ? Que la Torah, c'est quoi la Torah ? Qui peut me traduire le mot Torah ? Enseignement. Enseignement. Donc la connaissance. Que le rapport à la connaissance est sexuel. Et sexuel. C'est Nakash. Lernen, très bien. Il y a dans l'interpénétration entre l'humain et la connaissance qu'il rencontre, quelque chose de la dimension d'une relation sexuelle. Il transforme en étudiant cette fiancée en femme mariée. C'est quoi la différence entre une fiancée et une femme mariée ? C'est qu'il couche avec elle. Pour l'apprendre, il faut l'apprendre. Il y a un rapport essentiellement phallique à la connaissance. Et ça, c'est comme ça que la connaissance fonctionne. Et donc, si j'ai dit tout à l'heure
que pour moi, la fonction de l'homme était essentiellement d'accepter sa part de féminité, c'est-à-dire de construire son intériorité. Je dis que la fonction de la femme qui a accès à la connaissance est de vivre cette connaissance dans une forme de masculinité, de rapport phallique à, c'est-à-dire de pénétration, comme dit un Akash, de relation à l'autre. Là où les hommes font souvent l'erreur de penser pouvoir se marier avant de s'habiter, les femmes font souvent l'erreur de penser pouvoir se construire en accédant à la connaissance. Or, la connaissance n'est pas une façon de se construire, n'est pas une façon de construire son intériorité, n'est pas une façon de s'habiter. La connaissance est une façon d'être en relation à l'autre. La fonction de l'homme, c'est de construire son intériorité et donc cette féminité. La fonction de la femme, c'est de construire cette masculinité, c'est-à-dire ce rapport à la connaissance qui est exclusivement en relation à l'autre. Et pas construction intérieure. Je vous remercie. Tu peux faire dire il est pas encore là. Ah d'accord, ok. Alors dans ce cas, on peut poser des questions. Alors attends, mais c'est incompréhensible parce que c'est totalement compréhensible parce que si tu pars de ce qui était la société juive traditionnelle, sur lequel je n'émets aucun jugement, on n'est pas là pour émettre des jugements, par rapport à, ou alors j'avais compris ce qui est possible, par rapport à ce que tu as dit, un gamin qui n'était absolument pas construit, il sortait de la yeshiva avec un début de connaissance, en général ça tu mets quelques années de plus pour l'acquérir vraiment, et on le mariait. Je parle dans la bonne vieille société juive traditionnelle, qui existe encore dans le monde orthodoxe et qui existait il y a 200 ans chez nous tous. Et on le mariait. Ok. La femme, elle a toujours plus ou moins étudié, mais bon, on peut discuter de ça. Mais c'est en contradiction totale. Et comment, qu'est-ce qui se passait? Le jeune couple se construisait ensemble, avec plus ou moins de succès, mais comme tout le monde, des couples avec succès, ce qui fait qu'un couple réussit et qu'un couple ne réussit pas. Je pense que c'est un truc très compliqué, c'est une alchimie particulière à chacun. C'est un truc très très compliqué. Et puis qui réussit un moment et puis qui réussit plus après, c'est aussi, c'est très très compliqué. Mais je ne comprends pas du tout, puisque on parle quand même de point de vue talmudique, donc de points de vue qui sont en accordance avec notre manière, la manière traditionnelle du judaïsme, je comprends pas du tout l'histoire de la construction. Un gamin qui sort de l'yeshiva, il n'est pas construit, il faut arrêter de dire des bêtises. Premièrement, ce gamin vivait dans un monde où les natures et les fonctions se correspondaient d'une façon tellement évidente. C'est-à-dire où les hommes étaient des hommes. Comment dire, on vivait dans une société patriarcale où le masculin et le féminin s'affirmaient de façon forte, absolue et visible, et où donc ces chamboulements n'étaient pas, et où ils étaient peu confrontés à ce tangage. D'accord. Deuxièmement, je ne sais pas ce qui te permet d'affirmer qu'un gosse de 18 ans n'est pas construit à l'intérieur. Bien sûr. Ça dépend de ce qu'il a fait de ses 18 premières années. Et je pense qu'un gosse qui était à la yeshiva, mais vraiment, pas métro yeshivo dodo, un type qui a étudié, c'est-à-dire qui a été en binôme, qui s'est confronté à la relation à l'autre, avec un texte, peut tout à fait être construit. Et il y a quelque chose que j'ai pas très bien
saisi et que j'aimerais que tu reprécises, c'est l'identification que tu fais à se construire une intériorité et accepter une part de féminité. Une intériorité ne peut pas être masculine. Non. Lévinas dit que c'est une capacité d'accueil. La capacité d'accueil serait quelque chose de structurellement féminin. Dans la tradition juive, l'homme est mashpia, il dispense, et la femme est mekabelet, elle reçoit, elle accueille. Pour moi, c'est bizarre parce que, en tant que femme, j'ai bien compris tout ce que tu as expliqué pour l'homme, mais j'ai rien compris de ce que j'ai expliqué pour l'homme. Et tu sais quoi ? Je trouve que c'est très normal ce que tu mets. Mais peut-être qu'il faudra faire un cours détaillé sur ça. Mais sur la femme, je ne peux pas en dire plus, parce que je n'ai pas la légitimité. Je ne sais pas, je n'expérimente pas. Je ne comprends pas pourquoi vous disiez que la connaissance était le pendant de la féminité chez la femme. L'intériorité de l'homme, c'était il fallait qu'il pense. Je n'ai pas dit que c'était pendant, j'ai dit que c'est le travail de chacun. Et c'est... Exactement, donc pourquoi ça chamboule si le travail, si chacun fait son boulot, pourquoi ça chamboule? Justement, j'ai essayé de donner une solution pour que ça ne chamboule plus. Non mais si au départ, ce que j'ai compris, c'est que ce qui a chamboulé, c'est la volonté de la femme d'accéder à la connaissance. Ça, c'était il y a pas, parce qu'elles y ont accédé de façon à se construire, en oubliant que c'était le vecteur de la relation à l'autre. Mais en vertu de quoi on déduit que ça fait 10 ans qu'elles oublient que c'est en fonction de l'autre? J'ai pas dit que c'est systématiquement le cas et que je dis que j'ai souvent vu, de par les cours que j'ai donnés et de par le métier que je pratique, que c'est le cas. Et plus que la part de féminité que l'homme. Ah, pas du tout plus, beaucoup moins. Les hommes ont beaucoup plus de mal à construire leur intériorité que les femmes ont de mal à être en relation. Mais... Donc est-ce que le chamboulement ne vient pas du fait que les hommes ne construisent pas suffisamment leur féminité? Est-ce que j'ai pas dit avant tout ça? Évidemment. Évidemment. Et le construisent moins maintenant par rapport à avant, je veux dire, est-ce que tu penses qu'il y a une régression de ça? Oui, parce qu'ils confondent l'accès à la connaissance de la femme avec une castration. Donc ils se mettent dans une posture où ils se construisent encore moins. Et la relation est encore moins possible. C'est un cercle vicieux. Mais l'homme ne se construit pas non plus par la connaissance ? Bien sûr que si. Mais l'enjeu de la relation à l'autre au sein de la connaissance n'est pas la même chez lui. Bien sûr que si. Est-ce que la femme a besoin de construire une intériorité aussi ? Évidemment. Parce que tu dis que c'est sa part de féminité, mais comme elle est déjà féminine, est-ce qu'elle n'a pas de facto... Je pense que si. Je pense que si, je pense que c'est pour ça que les Chachamim comparent systématiquement la femme à la maison. Parce que je pense que c'est pour elle relativement inné. Et dans le simple acte sexuel, c'est comme ça que ça se passe. La femme est une capacité d'accueil et l'homme est une pénétration. Vous pouvez monter, descendre, c'est comme ça. Donc oui, il y a quelque chose de cet ordre, de l'ordre de l'inné chez l'homme et chez la femme, qui correspond au fonctionnement qu'on vient de dire. Et qu'est-ce que vient à faire le passage où tu dis que la sexualité humaine, c'est une sexualité où on se regarde d'en face par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à... Ah oui, qu'est-ce qu'on apprend de là par rapport à tout à ta... Ou alors une chose que je n'ai pas compris. Le passage de Gemara où j'ai dit dans un premier temps qu'il n'y a que l'identité sexuelle affirmée qui permet la relation à l'autre. D'accord. Et j'ai dit aujourd'hui qu'on est face à un problème majeur qui est comment affirmer cette identité sexuelle, puisqu'elle ne peut plus s'affirmer par les biais classiques. Et je dis qu'en vérité, la façon d'affirmer ces identités sexuelles qui permettent la relation à l'autre, c'est pour l'homme d'accepter sa féminité et pour la femme d'accepter sa masculinité. Mais comment on ne définit pas ce qu'aujourd'hui la difficulté, c'est avant c'était clair ce que c'était une féminité, ce qui est une masculinité. Et donc, étant donné que les définitions ne sont plus de mise, parce que à la fois l'accès à la connaissance qui n'était pas donné à la femme précédemment, et l'homme qui travaillait aujourd'hui, la femme travaille comme l'homme,
Donc, qu'est-ce que c'est le principe masculin? Qu'est-ce que c'est, c'est ce que principe je viens, féminin? C'est ce que je viens passer d'une heure à essayer de vous dire. Ouais, mais, c'est que le principe féminin, c'est la construction d'une intériorité et d'une capacité d'accueil. Et que le principe masculin, c'est ce que Lévinas va appeler aller vers l'extériorité, vers l'infini, dans une relation à autrui. C'est ça, la féminité et la masculinité. Est-ce que dans le fait de cultiver, enfin, d'appréhender sa féminité, sa part féminine dans l'homme, c'est aussi pour pouvoir accueillir la femme dans ce qu'elle représente? Parce que c'est ça l'idée aussi. C'est-à-dire, cette connaissance de notre féminité à l'intérieur du masculin nous permettrait de pouvoir... C'est la condition sine qua non pour connaître l'autre dans sa fonction et sa nature. La connaissance de l'autre. Complètement. C'est ça, c'est ça. C'est ce que j'ai compris, d'accord. Merci. 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 Merci